Voilà, de nouveau sur TV et Radio de Vie. Bonsoir mes amis, mes frères et sœurs. Merci pour votre présence ce soir. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour l'évangile qui nous a franchis. Au nom de Yeshua, nous voulons te bénir pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta croix, pour l'œuvre de la croix. Merci pour mes frères et sœurs ce soir qui sont connectés. Et merci pour ces hommes et ces femmes qui t'aiment, qui te cherchent, qui désirent t'accompagner. Seigneur, nous te bénissons en toutes choses. Au nom de Yeshua, amen. Voilà, mes amis, bonsoir chacun, donc bonsoir tout le monde et merci pour votre présence. Donc ce soir, nous allons parler de, en fait, le thème ce soir, c'est prendre position pour la vérité. Prendre position pour la vérité. Et on va lire d'abord quelques passages. Nous sommes dans Ésaïe. Chapitre 30. Ésaïe chapitre 30. Et voilà, on va commencer la lecture à partir du verset 1er. Prendre position pour la vérité. Voilà. Et vous savez que nous sommes dans une génération où la vérité a disparu, hein, pratiquement. Et beaucoup n'en veulent plus, beaucoup n'en veulent pas. Et ça, la vérité choque, la vérité dérange. Elle dérange énormément les religieux, elle dérange les gens de ce monde, mais particulièrement les religieux. Voilà, qui disent bien sûr... Il faut rien dire, il faut pas dire les choses. Il faut la sagesse selon eux. Et pourtant, ces religieux qui nous parlent comme ça nuit et jour depuis des années qu'il faut la sagesse, quand on regarde dans leur vie, ces religieux ne font rien. Hein. Il y en a qui font selon le plan humain, selon les hommes, ils essaient de faire des choses. Mais beaucoup n'ont même pas pu diriger des assemblées qu'ils ont eu à gérer. Ça a éclaté. Des groupes de maisons qu'ils ont eu à gérer, ça a éclaté. Et ils se permettent, bien sûr, en nous approchant, de nous interdire de dire les choses. Et quand on commence à le faire, on nous traite des calomniateurs. Alors, on va voir dans les Écritures, hein, c'est quoi la calomnie et c'est quoi prendre position pour la vérité ou encore dénoncer le mal. Donc, Ésaïe chapitre 30. Malheur aux enfants rebelles, dit Yahweh, qui prennent des conseils et non pas de moi, et qui se forge des idoles de métal où mon esprit ne point, afin d'ajouter péché sur péché, qui, sans avoir interrogé ma bouche, se mettent en route pour descendre en Égypte afin de se réfugier sous la protection de Pharaon et se retirer sous l'ombre de l'Égypte. Car la protection de Pharaon sera pour vous une honte, et le refuge sous l'ombre de l'Égypte votre confusion. Car ces princes sont à Tsoan, et ses messagers ont atteint Anès. Tous seront couverts de honte par un peuple qui ne leur apportera aucun profit. Ils n'en recevront aucun secours ni aucun profit. Il sera leur honte et leur opprobre. Les bêtes sont chargées pour aller au midi. Ils portent leurs richesses sur les dos des ânons et leurs trésors sur la bosse de chameau vers le peuple qui ne leur écoutez, remontez un peu l'équipe là, s'il vous plaît, la remontez encore. Un peuple qui ne leur profitera point dans le pays de détresse et d'angoisse d'où viennent le vieux lion et le lion, la vipère et le serpent volant. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi je crie ceci. Leur force est de se tenir tranquille. Mais maintenant, et écris-le en leur présence sur une table, rédigez-le par écrit dans un livre, afin que cela demeure pour le temps à venir, à perpétuité. Des enfants qui ne veulent point écouter la loi de Yahweh, qui disent aux voyants, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, mais dites-nous des choses agréables, prophétisez des illusions. Retirez-vous du chemin, détournez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Voilà ce que Dieu dit au 8e siècle par le prophète Ésaïe. Le peuple d'Israël aimait tellement, mes amis, des illusions. Ils aimaient tellement les illusions qu'ils disaient aux voyants, ne voyez pas.
Et aux prophètes, eh bien, ne prophétisez surtout pas des vérités. Dites-nous des choses agréables, des illusions. Alors, on va juste cliquer sur le mot illusion. Là, il y a le nombre 3. On va voir le commentaire qu'on a mis sur illusion au verset 10. Voilà, il y a le commentaire, la 3. Là. On va cliquer dessus. Donc, ça nous renvoie à 2 Timothée 4, 3 à 4. Et il y a Michée 2, 6. Alors, on va rapidement aller prendre ces passages. Michée chapitre 2, verset 6. Donc déjà, on apprend ici qu'au 8e siècle, mais bien avant, hein, les gens ne voulaient pas entendre la vérité. Ils voulaient qu'on leur raconte des illusions. Michée 2, 6. Ne prophétisez point, disent-ils, ne prophétisez point de telles choses. L'opprobre ne s'éloignera point. Voilà. Donc là, effectivement, Michée a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc il était contemporain de Jérémie, de Ésaïe, pardon, le prophète. Et pareil, Michée confirme les dires d'Ésaïe. Donc le peuple d'Israël disait au prophète, ne prophétisez surtout pas. Et nous sommes dans 2 Corinthiens, 2 Timothée chapitre 4. Et là, nous sommes au 1er siècle. Qu'est-ce qu'on y trouve ? 2 Timothée chapitre 4. À partir du verset 1er. Je te somme devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts lors de son apparition et de son règne. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur d'esprit et avec doctrine. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles par des discours agréables, ils chercheront des docteurs qui répondent à leurs désirs. Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Les fables, ici, c'est mutos en grec qui veut dire des histoires, des discours, hein, bien sûr des discours humains, ou encore des discours relatifs aux mythologies, hein, aux mythologies, notamment aux mythologies gréco-romaines, et particulièrement la mythologie grecque. Voilà, voilà. Donc, et Paul, n'est-ce pas, reçoit la même révélation que Ésaïe et Michée, qui, selon Paul, les hommes de cette, d'après Paul, les hommes de leur génération, de notre génération, ne vont plus supporter la saine doctrine, c'est-à-dire la vérité. Hein, la saine doctrine, c'est une doctrine qui est vraie, qui est saine. Doctrine, vous savez, c'est simplement, doctrine veut dire enseignement. Et ces hommes vont eux-mêmes chercher des docteurs. Ça veut dire qu'il va y avoir, c'est déjà le cas, de plus en plus de docteurs qui vont enseigner des hérésies, qui vont enseigner des histoires, n'est-ce pas? Il y en a même qu'on a connus. Hein, donc ce soir, je ne veux pas citer des noms, mais je me prépare pour citer des noms dans les jours à venir, dès que j'aurai toutes les informations. Et pour citer des noms bien précis, afin de dénoncer hein, ces faux docteurs, ces faux frères, et qui se servent de la vague de ce réveil pour se faire un nom et pour faire leurs affaires et attirer les âmes après eux. Donc on ne va pas non plus les rater, comme vous savez, nous dénonçons à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Et je vous ai dit depuis des années, je suis un homme seul, je crie seul. Dieu m'a appelé seul, il m'a dit « crie ». Et pendant des années, des prophéties sont sorties que Dieu allait nettoyer autour de moi, que le Seigneur allait nettoyer. Vous êtes tous témoins, vous qui suivez les enseignements depuis quelques temps. Et je ne veux pas avoir une relation amicale, charnelle avec des uns et les autres parce que je veux aller au ciel. Voilà, Dieu m'a dit, crie, sonne le chauffard et je veux le faire. Donc ces faux docteurs, bien sûr, se servent de cette vague pour se faire un nom. Et enseignant notamment aux gens que l'on peut mentir sous la pression. Hein, des frères et sœurs étaient choqués par ce type d'enseignement, que l'on peut mentir sous la pression, comme Rahab a menti, et comme Abraham a menti, et l'on peut mentir selon ces enseignements-là. J'ai eu moi-même des étudiants qui étaient choqués, et on prépare tous ces témoignages d'étudiants également pour dénoncer tous ces enseignements démoniaques, erronés, charnels,
qui cachent la vérité, qui voilent la vérité. Et donc, il n'y a pas, mes amis, de compromission avec la saine doctrine. Et vous savez que les premiers chrétiens, notamment les premiers disciples de Yeshua, sont tous finis martyrs parce qu'ils avaient pris position pour la défense de la saine doctrine, pour défendre la vérité jusqu'au bout. Voilà, le Seigneur nous dit que le père du mensonge, c'est le diable. Voilà, donc, et on ne peut pas dire que l'on puisse mentir sous la pression. Ça, ce n'est pas une doctrine biblique, mes amis. Le Seigneur est la vérité. Et jamais Yeshua, qui a subi les plus grandes pressions, ait pu mentir en quelques, mes amis, occasions que ce soit. Il n'y a pas un seul verset où l'on voit Yeshua, notre maître, mentir sous la pression. Personne ne peut dire qu'il a reçu plus de pression que Yeshua, notre maître. Ni Abraham, le père de la foi, ni Rahab, ni qui que ce soit. Et l'on ne peut pas se servir des exemples d'Abraham et de Rahab en ce qui concerne le péché dans lequel ils pouvaient se trouver parce que c'est des hommes, pour aller asseoir une doctrine et dire aux gens que l'on peut mentir sous la pression. Ça, c'est une doctrine satanique, diabolique. Et je vous dis que les étudiants sont là pour témoigner. Donc j'ai recueilli quelques témoignages. Autre chose, mes amis, comme je vous ai dit, cette génération est remplie des gens qui ne veulent plus de la vérité, qui veulent des docteurs qui répondent à leurs désirs. La parole nous dit qu'ils ne supportent pas la saine doctrine. Supporter ici a deux sens. Premièrement, c'est supporter dans le sens de porter, hein, d'être un support, d'être un soutien. Hein, et deuxièmement, supporter, c'est accepter, hein, accepter, endurer, hein, accepter la vérité, accepter l'évangile pur. Et cette génération n'en veut pas. Hein. Beaucoup n'en veulent pas parce qu'ils veulent rester religieux, ils veulent être amis de tout le monde, et, hein, ils veulent avoir un langage qui soit un langage politiquement correct, que tout le monde accepte. Et c'est comme ça qu'ils pensent pouvoir servir le Seigneur. Voilà. Jérémie disait dans Jérémie chapitre 7, verset... et d'ailleurs, Paul dit ici, que avant de lire Jérémie, Paul dit que ils vont détourner leurs oreilles de la vérité pour se tourner vers les fables. Donc, ils vont fermer leurs oreilles à la vérité. N'est-ce pas? Ils vont fermer leurs oreilles à la vérité. Ils vont se tourner vers des fables, des histoires, hein, ces doctrines purement humaines et qui sont complètement charnelles. Voilà. Voilà. Et là, Paul dit, mais toi, veille en toutes choses. Souffre les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, rends ton service pleinement approuvé. Donc, vous voyez, quand on parle de la vérité, quand on prend position pour la vérité, il y a une souffrance. Il y a une souffrance, la persécution, le rejet. Voilà, donc c'est normal. Et il ne faut pas baisser les bras parce que les gens se lèvent contre vous. Nous sommes dans Jérémie chapitre 7, verset 28. Jérémie chapitre 7, verset 28. Ok, Jérémie chapitre 7, verset 28. C'est pourquoi tu leur diras, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de Yahweh, son Dieu, et qui ne reçoit pas d'instruction. La vérité a disparu, elle se retirait de leur bouche. Voilà, c'est quand même terrible, hein, la vérité avait disparu à cette époque, selon Jérémie. Elle s'était retirée de la bouche des enfants d'Israël. Et c'est ce que nous constatons également dans cette génération où la vérité pure et simple a disparu. La vérité dérange. Vous ne pouvez pas, mes amis, prêcher la vérité et être acclamé. C'est impossible. Impossible. Sinon, vous serez comme les autres chrétiens qui sont acclamés par le monde, qui sont acclamés par les religieux, parce que parce qu'ils ont un langage qui leur est commun. Ils ont un langage qui passe partout. Voilà. Donc, Jérémie est catégorique. La vérité a disparu. Et elle s'était retirée de leur bouche. Donc, quand ces gens parlaient, c'était le mensonge. Voilà pourquoi on peut, bien sûr, dire qu'on peut mentir sous la pression, tout ça. Voilà. Et nous sommes dans Ésaïe 59, verset 15. Ésaïe 59, verset 15. Même la vérité, même la vérité a disparu. Et quiconque se retire du mal est exposé au pillage. Yahweh l'a vu. Et cela a déplu à ses yeux parce qu'il n'y a plus de droiture. Donc pareil, nous avons tous ces versets qui nous montrent que la vérité s'était retirée, la vérité avait disparu, non seulement au 8e siècle avant Jésus-Christ, mais aussi au 6e siècle à l'époque de Jérémie, la vérité avait disparu. Alors, c'est au sein de cette apostasie que Dieu va susciter Jérémie, le prophète notamment. Et qu'est-ce que Jérémie va dire dans Jérémie chapitre 20?
qu'est-ce qu'il va dire à partir du verset, on va descendre un peu. Voilà, à partir du verset 7. Alors Jérémie, bien sûr, a été beaucoup combattu, parce que vous savez, quand on prêche la vérité, c'est normal que l'on soit persécuté, c'est normal que l'on soit rejeté. Le Seigneur a dit, si on m'a aimé, on vous aimera. Si on m'a haï, on vous haïra. Si on a accepté ma parole, on acceptera la vôtre. Donc, vous qui aimez la vérité, ne soyez pas étonnés si les gens vous font la guerre. Si les gens vous traitent de tous les noms, c'est biblique. C'est biblique. Et d'ailleurs, ceux qui vont dire que, oui, il ne faut pas parler de ce combat. Mais c'est plus, c'est l'évangile. Parler de ce combat, c'est plus que normal parce que c'est la croix. Persécution égale la croix égale persécution. Voilà, chaque jour, le Seigneur dit, portez votre croix. Jérémie a écrit tout un livre sur ses lamentations. On l'a intitulé « Lamentations de Jérémie ». Lisez ce livre, là vous verrez que Jérémie, le prophète, notre frère, a beaucoup parlé de ce combat. L'apôtre Paul, je ne vais même pas vous donner le passage parce que vous connaissez ces choses-là. Paul a énormément parlé de ce combat. Combien de fois il a été lapidé, combien de fois il a reçu 40 coups moins 1, même 4 ou 5 fois. Hein? Paul a parlé de faux frères. On va le lire, toutes ces choses-là. Donc, c'est normal que l'on soit persécuté, que vous soyez persécuté quand vous prenez position pour la vérité. Alors, ceux qui n'ont jamais été persécutés, c'est normal qu'ils trouvent anormal que des frères soient persécutés, parlent de leur combat. Hein? Donc, c'est tout à fait normal parce qu'ils n'ont pas l'appel du Seigneur. Ce sont des, mes amis, des parasites, hein? Des gens qui surfent sur la vague pour faire leur ministère. En fait, ils vont pas le loin parce qu'ils n'ont jamais fait quoi que ce soit hier. Ils ont détruit les gens qu'ils ont dirigés dans leur maison, les gens qu'ils ont sortis de leurs églises par où ils sont passés. Ils n'ont pas pu les gérer, ça les a détruits. Les gens sont dispersés aujourd'hui et de nouveau, tac, ça réapparaît et ça veut faire l'œuvre. Voilà. Donc, les enfants de Dieu ont vu clair, beaucoup ont vu clair. Ils sont plus naïfs. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Maintenant, nous sommes dans Jérémie toujours 20. Jérémie dit, « Oh Yahweh, tu m'as persuadé et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Je suis un objet de moquerie chaque jour. Chacun se moque de moi. Car depuis que je parle, je ne fais que pousser des cris, que proclamer violence et dévastation. Et la parole de Yahweh est pour moi un sujet d'opprobre et de moquerie chaque jour. C'est pourquoi j'ai dit, je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus en son nom. Mais il y a dans mon cœur comme un feu ardent renfermé dans mes os. Je suis fatigué de le porter et je n'en peux plus. Car j'ai entendu les insultes de plusieurs. La frayeur m'a saisi de tous côtés. Exposez-le, disent-ils, et nous l'exposerons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi observent si je bronche. Peut-être, disent-ils, qu'il se laissera séduire et nous le vaincrons. Nous tirerons vengeance de lui. Mais Yahweh est avec moi comme un homme vaillant et redoutable. C'est pourquoi ceux qui me persécutent seront renversés. Ils ne me vaincront pas. Ils seront honteux car ils ne réussiront pas. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera jamais. Voilà. Donc, vous voyez bien que Jérémie a été beaucoup, beaucoup persécuté à cause de sa prise de position pour la vérité. Il a pris position pour la vérité, il a été persécuté par qui ? Par les faux prophètes, par les prêtres hein, qui ne voulaient pas recevoir cette parole, cette vérité. Nous sommes dans Jérémie chapitre 15. Jérémie chapitre 15. Voilà, merci Seigneur pour ta parole. Nous lirons à partir du verset 13. On peut même commencer à partir du verset 7. Voilà. On descend encore. Voilà. À partir du verset 10. Là, c'est Jérémie qui parle. Hein. Malheur à moi. Il va même jusqu'à maudire le jour de sa naissance. Comme Job. Malheur à moi, ô ma mère, de ce que tu m'as enfanté. Pour être un homme de contestation et un homme de dispute pour tout le pays. Donc, Jérémie nous dit qu'il était un homme de contestation. Donc, voilà, mes amis. Une, deux, caractéristiques d'un vrai chrétien. Qu'il soit prophète, apôtre ou peu importe les titres, mais l'esprit qui habite dans les apôtres authentiques, dans les prophètes authentiques, est le même qui habite les vrais chrétiens. Donc, cet esprit-là, on l'appelle l'esprit de vérité. Et comme il est l'esprit de vérité, celui qui a cet esprit, partout où il va être un homme ou une femme de contestation parce qu'il ne dit que la vérité.
Là où il y a le péché, il va dire c'est le péché. Là où quelqu'un va aller sur Skype pour coucher avec des femmes, se masturber, on va dire voilà ce qui se passe. Et ce n'est pas la calomnie, parce que la calomnie, on va le voir, on va aller dans le dictionnaire. C'est un mensonge. La calomnie est un des propos mensongers. Mais dire ce qui est vrai avec des preuves, on va le voir, ce n'est pas de la calomnie, ce n'est que de la pure vérité. Même si ça vous choque, ben c'est la vérité. Parce que quand vos enfants sont touchés, vous êtes les premiers à réagir en disant « on ne touche pas mes enfants ». Et quand les enfants de Dieu sont touchés, quand les filles de notre Père Céleste sont violées par des faux prophètes et pasteurs, vous vous insurgez en disant « non, ça c'est la calomnie ». Eh bien écoutez, ben, moi je vous poserai la question, avez-vous déjà fait une œuvre qui perdure? Savez-vous ce que c'est une fille qui a été violée par un faux pasteur? Comme vos enfants ne sont pas touchés, c'est facile de s'exprimer, de dire non, il faut pas parler comme ça. Il faut pas parler comme ça. Il faut faire comme l'Américain là-bas qui dénonce aussi cet Américain dans le sud de là-bas, qui s'appelle Paul. Je ne vais pas dire son nom, mais Paul, on le connaît. Je ne connais pas ce monsieur, mais on me dit il faut que je sois comme ce monsieur, Paul, qui dénonce aussi là-bas. Mais lui ne cite pas les noms. Mais écoutez, ce monsieur Paul, il n'a jamais dirigé une église. Il n'a pas bâti des églises. Il n'a pas, ce n'est pas un apôtre. Lui, il ne fait que crier, mais il ne sait pas ce que c'est diriger une église, implanter des assemblées. Parce que s'il dirigeait les églises et que des pasteurs de ces églises couchent avec des femmes, je ne pense pas qu'il ne citerait pas leur nom. Voyez? Donc, il ne faut pas tout mélanger. Tout le monde n'a pas reçu le même appel. Chacun a reçu un appel bien spécifique et tout le monde ne peut pas être pareil. Paul dit, nous sommes dans un corps. Hein, tout le corps ne peut pas être l'oreille, les yeux. Chacun a sa spécificité. On ne peut pas vouloir changer les gens parce que ils ne correspondent pas à notre manière de procéder. Non, chacun a reçu un appel, chacun doit répondre à cet appel parce qu'on aura tous des comptes à rendre au Seigneur. Voilà. Donc que Dieu soit béni pour son œuvre. Et voilà. Donc Jérémie, bien sûr, dit qu'il est un homme de contestation tous les jours. Tous les jours, c'est écrit dans la Bible. C'est pas nouveau. Voilà. Je n'emprunte ni ne prête, et néanmoins tous me maudissent et me méprisent. Jérémie parle de ce combat, c'est dans la Bible. En vérité, tout ira bien pour ce qui reste de toi. En vérité, je ferai que l'ennemi te traite bien au temps du malheur et au temps de la détresse. Voilà. Donc, et Jérémie souffrait beaucoup. Hein? Donc, il parle de ce combat parce qu'il avait pris position pour la vérité. Voilà, il avait pris position pour la vérité. Et nous sommes dans Jérémie 18:18. Jérémie 18:18. Et ils ont dit, venez et faisons des complots contre Jérémie, car la loi ne périra pas chez le prêtre, ni le conseil chez le sage, ni la parole chez le prophète. Venez, tuons-le avec la langue et ne soyons pas attentifs à ses discours. Voilà, donc, et là, Jérémie, ben, les gens disaient, tuons-le avec la langue. Pourquoi? Parce qu'il dérangeait. Parce qu'il dérangeait. Vous qui aimez la vérité, vous qui cherchez le Seigneur, vous qui êtes chrétien, donnez-moi le nom dans la Bible d'un seul enfant de Dieu qui était aimé par les religieux. Étienne a été lapidé. David, dans ses psaumes, vous avez déjà lu les psaumes de David? Dans tous ses psaumes, presque David parle des persécuteurs. Délivre-moi de mes ennemis, délivre-moi de ceux qui me persécutent. Mais c'est écrit, ils ont énormément parlé de leur combat aussi. Et c'est ça l'évangile. Ce n'est pas une accumulation de connaissances, mais c'est une démonstration de la relation qui, mes amis, que nous avons développée avec Dieu dans les coulisses. C'est l'exposition, c'est l'extériorisation de l'intimité avec Dieu. C'est du vécu, tout simplement. C'est ça l'évangile. Et le vécu, c'est quoi? C'est pas seulement la relation avec le Seigneur, c'est pas seulement, mes amis, les belles choses que Dieu nous donne à vivre, c'est aussi la persécution. Donc on en parle pour que les frères et sœurs sachent c'est quoi la vie chrétienne. Voilà. N'est-ce pas? Donc, et voilà ce que la parole nous dit. Donc, nous devons prendre position pour la vérité, n'en déplaise aux gens. C'est facile quand on est chez soi à la maison et qu'on n'a jamais été confronté à une attaque liée à la vérité, ou surtout qu'on n'a jamais été sur place là où le travail se fait. C'est facile de se dire, non mais comme quand on regarde un match de foot, hein, ah ben là il aurait dû marquer, là il aurait dû jouer comme si. Eh ben il faut être sur le terrain.
C'est facile quand on reçoit des mauvaises informations de la part de son mari ou de sa femme, et de dire, bah oui, effectivement, là, c'est pas correct, là, mais il faut aller à la source pour avoir la vérité, pour connaître la vérité. Voyez? Donc, moi, je ne me tairai jamais. Quand un pasteur coucherait, si un pasteur couche avec une femme d'autrui et continue à faire l'œuvre, on va l'avertir. S'il continue, ben on va le dénoncer. Voilà. Et pour dénoncer quelqu'un, la parole nous dit qu'on ne peut pas recevoir d'accusation contre quelqu'un si ce n'est que sur la déposition de deux ou trois témoins. On va le lire. Donc il faut qu'il y ait une déposition, qu'il y ait des preuves pour montrer au monde entier, voilà, tel monsieur n'est pas correct. Voilà les preuves. Parce qu'on ne peut pas accuser quelqu'un sans preuves. Voilà, donc ça, ce n'est pas de la calomnie, ce n'est pas de la chair, c'est pas. Non, c'est biblique. C'est parce que, étant religieux, vous n'êtes pas habitué à ces choses-là dans vos bâtiments d'église ou dans vos maisons, vous êtes enfermé seul. Hein, vous ne savez pas l'enjeu qu'il y a, l'enjeu spirituel, les âmes qui se détruisent, les âmes qui sont, mes amis, trompées en permanence. Hmm? Comme ce monsieur qui gérait une des assemblées qu'on a implantées à Montpellier avec son acolyte, que nous allons dénoncer bientôt. Hein? Les âmes là-bas sont détruites. Et une femme mariée qui commençait à être détournée par ce monsieur, et tout ça, il faut se taire, tout ça. Attention, mes amis, on est où là? Ah ben, il faut dire la vérité, voilà. Ça choque, ben, c'est la vérité, c'est comme ça. Jésus, notre maître, a pris un fouet pour fouetter les gens dans le temple. Ben, vous voyez, il faut que, moi je prie que Dieu suscite encore des gens qui se lèvent pour pouvoir dénoncer les choses qui se pratiquent dans nos assemblées. Et l'on veut maintenant nous accuser en disant, mais il ne travaille pas comme il fait pour vivre. Ah ben, moi, est-ce que je viens chez toi pour demander ton argent? Ça fait plus de 17 ans que je travaille comme ça. Et si j'ai économisé quand je travaillais comme opérateur pendant des années, je travaillais, est-ce que je dois aller maintenant venir aller devant tout le monde pour dire voilà mes économies, comment je m'organise? Mes amis, il faut se repentir, il faut revenir au meilleur sentiment, revenir à la vérité. Donc ça, c'est facile de dire comment il fait pour travailler alors que quand vous achetez vos maisons là, alors que vous ne travaillez pas correctement non plus là, où il y en a qu'un qui travaille et qui vient vous demander des comptes. Voilà. Donc la vérité, elle choque, elle fait des dégâts. Ben oui, c'est la vérité. C'est comme ça. Vous savez combien de fois ces religieux sont venus me voir dans les coulisses, c'est pour que je change de message. Oh non, il faut la sagesse, il ne faut pas de scandale. Hein? Il ne faut pas de scandale, tout ça là. Eh ben moi, je veux vous dire une chose. Vous ne voulez pas de scandale, et vous êtes religieux. Vous savez pourquoi? Eh ben, allons voir dans la Bible. Hein? Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 2. Oh non, il y a trop de scandales. Mais trop de scandales, mais vous voulez avancer avec quel Dieu? Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 2. D'abord, on était sur acte 4. Parce qu'on va vous donner des infos, hein, des arguments pour défendre la vérité. Acte chapitre 4, mes amis. Voilà, on va aller vers le verset 10 par là. Ok. Sachez vous tous et tout le peuple d'Israël que c'est au nom de Jésus-Christ le Nazaréen que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est en son nom que cet homme qui paraît ici devant vous a été guéri. C'est cette pierre rejetée par vous qui bâtissez qui est devenue la principale de l'angle. Donc Pierre parle de cette pierre qui est rejetée. Hein, donc Yeshua, et on va voir quel type de pierre s'agit-il? Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 2. Voilà, à partir du verset 5. Voilà. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle et une sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion la principale pierre de l'angle, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Mais par rapport aux rebelles, il est dit, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement. Je répète, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Un rocher de scandale. Ils se heurtent contre la parole et sont rebelles. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. On nous dit que Jésus est la pierre d'achoppement, la pierre de scandale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui ou celle qui est bâti sur ce rocher connaîtra toute sa vie de scandale. Bah oui, si vous ne voulez pas de scandale, eh ben, ça veut dire que vous êtes bâti sur du sable. Hein?
Dans la religion, ben, c'est calme, c'est un lac. La religion, c'est un lac, ça bouge pas. Mais la vie chrétienne véritable, c'est comme un fleuve, comme une rivière, ça bouge. Voilà, il y a des mouvements. C'est biblique. Le scandale en question, c'est pas par rapport au péché, parce que on aura péché. Non, parce qu'on aura dit la vérité. Le Seigneur enseigne la parole, les apôtres viennent le voir pour lui dire, Seigneur, sais-tu qu'ils sont scandalisés des paroles qu'ils ont écoutées? Ben oui, la vérité scandalise, ça choque. Ah, oh, je veux pas qu'il parle comme ça, il faut la sagesse. Ah, vous savez, il faut qu'il a quand même qu'il mette un peu de l'eau dans son vin. Eh ben non, c'est pas comme ça se passe. Il n'y a pas de l'eau dans notre vin parce que l'eau, c'est l'eau, le vin, c'est le vin. C'est le vin. Voilà. Le Seigneur a changé l'eau en vin. Il n'a pas mélangé les. Il n'a pas, mes amis, mélangé l'eau avec le vin. Non. Voilà. Donc, si vous voulez être baptisé sur Jésus-Christ, ben vous aurez des scandales. Et si vous ne voulez pas de problème, c'est que vous êtes un religieux. Voilà. Et quand Dieu m'a dit ça la dernière fois, il m'a dit, mais les gens, tu as peur que les gens disent que tu suscites beaucoup de scandales, eh bien, tu es bâti sur le roc qui suscite le scandale, un rocher de scandale. Ah ben, j'ai compris, Seigneur, que ton nom soit béni. Voilà, c'est pour cela que le Seigneur disait dans Luc 17, il est impossible qu'il n'arrive de scandale. Donc, voilà. C'est-à-dire, c'est pas nous qui provoquons le scandale, mais c'est la vérité qui est prêchée, et ceux qui sont dans les ténèbres sont scandalisés, et ils vont provoquer des combats. La vérité est délivrée, et les gens vont susciter des scandales parce que c'est la pierre de scandale. Cette pierre-là, ben, les gens qui n'aiment pas la vérité se heurtent à elle. Hein? Ils viennent, non, il faut changer, il faut plus parler des gens. Il faut... Mais écoutez, si les gens détruisent les frères et sœurs, si les gens dépouillent les gens, des frères, si les gens couchent avec des femmes d'autrui, si ce sont vos enfants, vous allez vous taire? Quand c'est vos enfants, ah non, moi, on touche pas mes enfants. Eh ben, quand c'est les enfants d'autrui, on peut le toucher. Là, il faut pas parler. Quand une femme est touchée par la vérité et que quelqu'un derrière commence à se masturber devant la femme, commence à coucher avec la femme, commence à prendre l'argent de la femme, et on ne doit pas dire, alors que la personne qui commet ces pratiques ne veut pas se repentir, on ne doit pas parler, mes amis. C'est quoi cet évangile? Ah ben, cette chaîne n'a pas été mise en place pour qu'on se taise. Moi, le Seigneur ne m'a pas appelé pour que je me taise. Il ne m'a pas appelé pour être dans une association des pasteurs, dans une association des collaborateurs avec autour de moi. Ce n'est pas ce que Dieu m'a demandé. Il m'a dit, va et sonne le chauffard. Quand il m'a appelé, vous n'étiez pas là. Voilà. Et je l'ai toujours dit depuis des années, je suis un homme seul et je crie. Sur TV de vie, on l'a dit, on ne recommande aucun pasteur, aucun prédicateur, aucun docteur, même s'il y en a qui ont pu collaborer avec moi hier. Mais on ne recommande personne, on recommande la parole. Voilà. Parce que chacun veut faire ses affaires. Quand ils commencent à être un tout petit peu connus, ben ils veulent plus parler ouvertement parce qu'ils veulent garder leur témoignage, ils veulent garder les âmes avec eux parce que voilà, ils vont ouvrir leur maison, venez prier chez nous. Vous avez vu Paul ouvrir sa maison pour inviter les gens, venez prier chez moi à la maison. Ils veulent attirer les gens vers eux et non vers le Seigneur. Voyez, c'est pas les frères et sœurs, on connaissent vos affaires là. On connaît la musique, on sait comment ça commence, comment ça finit. Voilà. Donc, le Seigneur est bon, mes amis, nous n'allons pas laisser les faux docteurs, les faux frères faire leurs affaires sur notre dos. Ah non, pas du tout. On va les avertir avec des enseignements comme ça. S'ils continuent, ben on les expose publiquement. Publiquement. Avec des preuves, bien sûr. Que le Seigneur soit béni, Dieu est fidèle. Alors, vous avez vu que le scandale, parce que la vérité est prêchée, c'est biblique. C'est biblique. Lisez l'histoire de l'Église, l'histoire des pères de l'Église, comment ils ont été persécutés parce qu'ils ont pris position pour la vérité. Voilà. Vous savez, le fait de vous dire, par exemple, que la Trinité est une doctrine démoniaque, vous savez qu'à cause de ça, on est beaucoup combattu, mais on ne doit pas se taire parce qu'il y a la pression. Vous savez, le fait de vous dire que Jésus-Christ est Dieu, ben, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord, mais vous voulez qu'on ne peut pas se taire. Le fait de dire que la dîme, c'est la loi, il ne faut plus la payer, comme vous le savez, les gens se lèvent contre nous. Mais on doit continuer à parler de la vérité. Mais vous, qui aimait la vérité. Si vous avez la pression, vous allez vous arrêter, vous allez abandonner la vérité parce que vous avez la pression? Non! Il faut continuer. Les gens viennent, oh, nous sommes touchés par le message de 2008, Église, où es-tu? Et aujourd'hui, les mêmes gens disent, oh non, ils dénoncent trop, c'est la calomnie. Ah bon? L'Église, où es-tu? Vous avez suivi cet enseignement correctement? Ce message? Comment Dieu m'a poussé à dénoncer, même la marche pour Jésus, dénoncer toutes ces pratiques? Et c'est ce message qui vous a touché. Et aujourd'hui, on dit que non, il a changé de message. C'est trop dur. Il y a trop la calomnie. Eh ben, on va vérifier ce que c'est la calomnie. Allons voir dans Google. Hein, on va aller vérifier dans le dictionnaire français. Parce que la langue française est une langue, est une belle langue. Il y a aussi un dictionnaire. Eh ben, on va aller vérifier qu'est-ce que le dictionnaire dit. D'abord, c'est quoi une calomnie? Hein? Donc, je ne sais pas si vous avez trouvé l'équipe. On va nous aider.
Parce que c'est trop facile quand on a une vie cachée de se dire, bon, bah, faut pas trop qu'on dénonce parce que on ne fait pas que dénoncer. Vous savez qu'il y a beaucoup d'enseignements, mais quand il y a le mal et que les gens derrière détruisent les âmes, eh ben, on doit les exposer, comme la parole dit, et on va le voir. Voilà, c'est quoi la calomnie? Eh ben, une calomnie est une accusation grave et volontairement mensongère. Hein? C'est de la diffamation. Voilà la calomnie. Donc, c'est une accusation grave et volontairement mensongère. Or, quand on dénonce un faux pasteur, un faux prophète, ben, on produit les preuves. On produit, s'il y a des SMS de relations, des SMS échangés avec les victimes, eh ben, il faut les montrer aux frères et sœurs pour qu'ils voient que ce que l'on dit, ce n'est pas du mensonge. Eh ben, en quoi vous êtes choqués? C'est biblique. On ne peut pas accuser quelqu'un, surtout un prédicateur, sans preuve. Il faut qu'il y ait des preuves de ce que l'on avance. Et surtout une démarche dans les coulisses pour avoir, pour aider la personne. Et ça, c'est fait. Et on ne va pas aller le chanter partout quand on fait ce travail-là. Donc, la calomnie est une accusation grave et volontairement mensongère. Donc, c'est la diffamation. La calomnie est une critique injustifiée et mensongère, inventée avec le dessein de nuire à la réputation ou à l'honneur. En ce sens, à la réputation ou à l'honneur. En ce sens, pardon, c'est une notion proche de l'injure et de la diffamation. Donc, Larousse nous dit que l'accusation mensongère, donc une calomnie est une accusation mensongère portant atteinte à l'honneur de quelqu'un. Voilà. Et ben maintenant, on va aller voir. Donc, vous avez vu que calomnier, c'est mentir sur quelqu'un dans le but de le détruire. Eh bien, qu'est-ce que la parole nous dit? Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 5. Un Timothée chapitre 5, nous lisons à partir du verset 17. Que les anciens qui dirigent convenablement soient jugés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc déjà ici, il est question des anciens, et vous savez que très souvent quand nous dénonçons les pratiques qui se trouvent, que l'on trouve dans nos églises, c'est souvent les dirigeants qui sont dirigés, qui sont dénoncés, et bien sûr parce que ils ont la charge du troupeau. Ils ont la charge du troupeau. Et on ne le fait pas avec plaisir. Hein? Donc voilà. Et là, Paul dit au verset 19, ne reçois pas d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. Donc déjà, il faut des témoins. Et ça, quand on dénonce quelqu'un, en général, bien sûr, les témoins sont là, les preuves sont là, donc ce n'est pas une partie de plaisir. Donc il y a des témoins, et s'il y a des témoins, un ancien peut être accusé, n'est-ce pas? Donc, pas accusé comme le diable le fait, parce que le diable, quand il nous accuse devant le Père, il ne cherche pas à nous amener à la repentance. Mais les anciens, Paul nous dit qu'ils doivent être jugés dignes d'un double honneur. Parce que c'est une charge, une grande charge. Et s'il y a le péché, qu'est-ce que Paul dit? Eh ben, s'il y a il y a le péché, s'il y en a un qui pêche, hein, il y a des gens, des témoins de ce péché vont témoigner. Hein, on sait tous que c'est un témoin. Et on nous dit, reprends publiquement ceux qui pêchent, le verset 20. Reprends publiquement ceux qui pêchent. Reprend publiquement ceux qui prêchent. Alors, reprendre ici, donc on va souligner ce mot-là, et on va aller voir dans le grec le texte reçu, reprendre. Non, c'est pas là. On va remonter encore. Là, on clique là. On va voir. On revient en arrière. Voilà. Voilà, c'est parfait. Alors, reprendre ici. Voilà. Donc, veut dire littéralement, comme vous pouvez le voir, hein, condamner, réfuter, généralement. Hein, généralement avec une suggestion de honte pour la personne accusée.
ou encore amener avec conviction à la lumière ou exposer. Trouver une faute, corriger par la parole. Reprendre, blâmer sévèrement, réprimander, réprouver. Montrer à quelqu'un sa faute, exiger une explication. Mais la première définition c'est, de ce mot grec, c'est condamner, réfuter, avec l'idée de la honte pour que la personne, bien sûr, soit repentante. Donc on voit bien que Paul nous enseigne que si c'est un ancien, quelqu'un qui a la charge du troupeau, quelqu'un qui est censé montrer le chemin aux gens, eh bien s'il commence à prendre des femmes, s'il commence à pécher dans le but et les gens sont découragés à cause de son comportement parce qu'il pêche, eh bien, il faut le reprendre publiquement. C'est pas moi qui le dis. D'accord? On va aller cliquer sur publiquement là. Donc, on sait ce que c'est de toute façon, publiquement. Donc, pas dans les coulisses, mais publiquement. Voilà. Donc, et bien sûr, cette personne qui pêche, on doit, selon Matthieu 18, 15, chercher d'abord à l'amener à la repentance. Et si la personne continue, ben, on l'expose pour que les gens voient que c'est un faux frère, un faux apôtre, prophète, comme Paul nous l'a enseigné. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose que nous avons inventé. Et c'est très biblique. Hein, et voilà. Reprends publiquement ceux qui pêchent. Voilà. Donc là, la parole est claire. Et Paul dit, afin que les autres éprouvent aussi de la crainte. Le mot crainte ici signifie d'abord peur, terreur. Bah oui, frère. La terreur, oui, c'est biblique. Voilà. Donc, pas la peur de Dieu, mais bien sûr, même le mot crainte parfois signifie peur. Pas peur dans le sens de ne plus pouvoir l'approcher, hein, mais la révérence. Voilà. Donc, il y a trop de mal dans nos assemblées, il y a trop le péché dans nos assemblées. Et vous n'êtes pas ignorant par rapport à ce qui se passe un peu dans nos églises aujourd'hui. Voilà. Et s'il y a l'arnaque, hein, qui se pratique, il y a beaucoup de choses qui se font. Et c'est nous que l'on veut, bien sûr, accuser parce que Dieu nous appelle à marcher par la foi. Mais comment ils font? Eh ben, déjà, le Seigneur dit dans Matthieu 6, comment font les oiseaux? Hein? Dieu les nourrit. Eh ben, Dieu s'occupe de ceux et celles qu'il a appelés et qui s'attendent totalement à lui. Et voilà. Et si moi je construis des tentes dans les coulisses, si moi je fais des choses dans les coulisses, je vais aller chanter partout. Voilà, je fais ci, je fais ça. Chacun a sa vie privée. Mais moi, ce que je te demanderai, ce que je vous demanderai maintenant, c'est de venir me voir pour me dire, frère, tu me dois tant. Hein? Donc personne ne peut dire que je lui dois de l'argent. Voilà. Donc ne cherchez pas. Et d'ailleurs, les finances, allez voir les frères qui s'en occupent. Hein? Donc que ce soit au niveau du pain quotidien, au niveau de l'industrie de production, TV de vie, eh ben allez voir sur le compte, vous verrez qu'il n'y a pas l'argent qui est retiré pour moi. Donc que Dieu soit béni et je suis fier de le dire parce que Dieu est fidèle. Il est celui qui s'occupe de son peuple, de ses enfants. D'ailleurs, ceux qui parlent comme ça, quand on leur demande est-ce que ce monsieur vous a demandé de l'argent, en général, bien sûr, ils vont vous répondre non. Est-ce qu'il vous a pris l'argent quand vous dirigez une association? Non. Voilà, que Dieu soit béni. Alors, que Dieu soit béni, chacun a sa vie privée, chacun s'organise comme Dieu le conduit. Mais nous n'allons pas nous taire parce que la vérité, il faut la partager, il faut la proclamer. Et des millions de gens ont les yeux ouverts. Beaucoup de frères et sœurs témoignent. On était à Tahiti, comme vous le savez. Beaucoup ont témoigné comment Dieu les a éclairés, hein, comment Dieu les a libérés de ce joug, hein, de ce ministère, de ce pasteur qui attire les âmes dans leur maison, qui font de maison à maison, comme Paul dit, hein, qui ouvrent leur maison pour capturer les gens, au lieu de dire aux gens, allez vers le Seigneur. Voilà. Donc, et qui se font bien sûr inviter, et qui ne laissent pas les frères et sœurs les inviter, mais eux-mêmes proposent des invitations. Oh, que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Frères et sœurs, ce soir, je refuse, je ne cite pas les noms, mais bientôt, je vais le faire si ça continue, et avec des victimes, avec des témoins. Et comme ça, toutes les œuvres seront dévoilées, exposées. Voilà, parce qu'on ne peut pas continuer à jouer avec les enfants du Seigneur comme ça. Là. Voilà, nous avons pris position pour la vérité et c'est jusqu'au bout. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5. Je vais encourager tous les enfants de Dieu qui prennent position pour la vérité. Ne vous taisez pas. Même si on vous met la pression, gardez la vérité que Dieu vous a confiée jusqu'au bout et défendez la sainte doctrine. Que Jésus est Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui, que Babylone existe, n'est-ce pas? Et défendez la vérité, le mariage sans divorce et remariage. Ça aussi, ça ne plaît pas. Hein, quand on regarde au passé de beaucoup de ces personnes, c'est des divorcés, remariés.
et ça veut donner des leçons aux gens. On va dire non, c'est quand on est dans le monde. Mes amis, Dieu est contre le divorce, même quand on est païen. Voilà. Il est contre. Il ne va pas dire aux païens, mariez-vous, divorcez-vous, je vais agréer cela. Dieu est contre tout ça. Et moi, je dis, voilà, mes amis, il est contre le Dieu, bien sûr, contre le remariage. Et surtout quand on est chrétien. Voilà. Que Dieu nous garde. Et on va dire, mais oui, mais il y a quelqu'un qui est avec lui et qui est en train de divorcer. Ah, non, personne autour de moi est en train de divorcer. Ceux qui ont eu des problèmes, là, mes amis, là, ceux qui ont des problèmes, ils sont restés célibataires, là. Voilà, pour garder le cap, pour garder la vérité avec eux. Et ça, là-dessus, là, mes amis, là, c'est clair. Dieu contre le divorce et le remariage. Et surtout quand on a déjà, quand on a reçu l'éclairage. Voilà. Donc, que le Seigneur nous garde. On n'est pas là pour condamner qui que ce soit, mais nous voulons dire la vérité. Nous voulons dire la vérité. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, verset 11. Et ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire, condamnez-les. Ben voilà, ce sont les œuvres qui sont condamnées. Les œuvres des ténèbres. Hein, le mensonge, le péché, la course au titre, au ministère, toutes ces choses-là. Voilà. Donc, car il est honteux de dire les choses qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car la lumière est celle qui manifeste tout. Voilà, la lumière manifeste tout. Voilà, et dans Jean, chapitre 3, Jean chapitre 3, le verset 20 nous dit quoi? Jean chapitre 3, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient condamnées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites elles sont faites selon Dieu. Voilà, elles sont faites selon Dieu. Donc quand on est dans la vérité, on ne se sauve pas comme un voleur quand on est quelque part. Non, on ne se sauve pas en envoyant un mail. On va s'asseoir avec des frères, on règle ce qu'il y a à régler, et là, on bénit la personne, et la personne va faire son travail. Mais quand on se sauve comme un voleur, mes amis, et ensuite on veut revenir, ah non, ça se passe pas comme ça, c'est pas un zoo. Il faut de l'ordre dans la maison du Seigneur. Il faut de l'ordre, mes amis. C'est comme ça. Que le Seigneur soit béni. Et nous sommes dans Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 4. Verset 1er, c'est pourquoi ayant ce service, selon la miséricorde que nous avons reçue, nous ne nous relâchons pas. Mais nous avons entièrement rejeté les choses honteuses que l'on cache, ne marchant pas avec ruse et ne falsifiant pas la parole de Dieu, mais nous rendant approuvés à toute conscience d'homme devant Dieu par la manifestation de la vérité. Si notre évangile est encore voilé, il ne l'est que pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de cet âge a aveuglé l'entendement, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, lequel est l'image de Dieu. Voilà. Donc, et c'est ça l'évangile. Et je voudrais dire à ces femmes aussi qui sont là à la maison, qui sont, mes amis, qui donnez des conseils à vos maris, vous qui êtes les femmes aussi, là, qui selon Dieu, et pour qu'ils soient des hommes fidèles vis-à-vis du Seigneur. Que le Seigneur soit béni pour la vérité qui éclate, qui libère le peuple. Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Voilà, le mensonge n'affranchit jamais quelqu'un. Donc, et ça c'est la parole même qui nous enseigne cela. Et il y a beaucoup de plagiat hein, dans le milieu chrétien. On veut reproduire la même chose que là-bas, on va modifier des noms, on va garder à peu près les mêmes consonances. On sait ce que c'est mes amis, tout ça là, on est fatigué. Cette course à la prédication, cette course au m'as-tu vu, et YouTube est devenu comme un ministère pour beaucoup. C'est pas ça le ministère YouTube. C'est pas ça le ministère. Dieu, c'est lui qui appelle, c'est lui qui élève. Voilà. C'est pas comme ça se passe. Les frères et sœurs sont fatigués d'être ballottés à gauche, à droite. Voilà. Donc, et puis, quand on a de l'âge, il faut aussi se respecter. Voilà. Que Dieu soit béni. Vous savez, il y a certaines choses, je le garde d'abord parce que on récolte des témoignages des frères et sœurs, hein, donc de part et d'autre, par où ces hommes sont passés pour pouvoir exposer leurs œuvres bien comme il faut. Donc la vérité doit être défendue. Voilà, mes amis. Beaucoup veulent que je me taise. Comment il fait pour vivre? Eh ben, comment je fais? Depuis des années, on s'est organisé, mon épouse et moi, on fait ce qu'on a à faire et on va pas le chanter partout.
Mais toutefois, l'argent que les frères et sœurs donnent, vous voyez les œuvres qui se font, vous voyez des Bibles qui sont produites, tout ça là. Et en aucun cas, je veux demander à David, retire-moi 100 euros, donne-le-moi. Non, mes amis. Et l'œuvre se fait comme Dieu nous l'a recommandé. Et au niveau du pain quotidien, toutes ces épiceries qui nourrissent des gens, mes amis, Dieu fait son œuvre. J'encourage ce soir tous les défenseurs de la sainte doctrine, tous les enfants de Dieu qui défendent la vérité, qui prennent position pour la vérité et qui combattent contre Babylone, contre cette grande, mes amis, alliance de Babylone, contre les vrais enfants de Dieu, cette grande alliance pour dépouiller les chrétiens, dépouiller les enfants de Dieu, cette grande association des pasteurs impudiques, des pasteurs violeurs de femmes, des pasteurs danseurs nus sur Internet, des pasteurs, mes amis, cupides, cette grande association des bishops pour dépouiller les enfants du Seigneur, eh ben, mes amis, a été prédite dans les Écritures, et les enfants du Seigneur se lèvent de plus en plus pour dire non au mal. Paul a dénoncé et a dit clairement à quelqu'un, quelqu'un qui ne marche pas selon les enseignements que vous avez reçus, il faut le noter, faites-le savoir, Paul disait, et il ne faut même pas marcher avec cet individu. Donc, ce sont les Écritures. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3, nous lisons le verset 6. Nous vous recommandons aussi, mes frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout homme qui se dit frère et qui vit d'une manière déréglée et non selon les traditions qu'il a reçues de nous. Voilà. Donc il faut s'éloigner de ces hommes, Paul dit, c'est la parole qui le dit. Et moi, quand on me dit, Dieu a dit qu'il ne faut pas dénoncer tel monsieur qui couche avec des femmes, et Dieu dit qu'il ne faut pas dénoncer, et quand on prouve, on donne les preuves, et le même homme dit, ah, c'était ma chair. Et on envoie des mails pour dire merci pour ton indulgence. Et le même qui dit, non, Dieu a dit de nouveau, il ne faut pas dénoncer. Attendez. Quelqu'un qui fait des dégâts, des gens qui font n'importe quoi, il faut se taire, soi-disant au nom de l'amour, de la sagesse. Et d'ailleurs, il y aura des enseignements même sur la grâce, parce que là, on va mentir ensuite en disant, non, c'est parce qu'on a enseigné sur la grâce que... Non, mais la grâce, qu'est-ce que la grâce? La grâce nous dit quoi? Petite. La grâce de Dieu salutaire, pour tous les hommes, nous enseigne à renoncer au péché, à l'impiété. La grâce, c'est pas le fait de fermer les yeux sur le mal. C'est pas ça la grâce. Ça, c'est la grâce selon la religion. La grâce, c'est Jésus. C'est tout. La grâce, c'est la croix. La grâce dit quoi? La loi dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. La grâce, Jésus dit dans Matthieu 5, la grâce dit, celui qui regarde une femme, pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. La grâce, c'est encore plus exigeante que la loi de Moïse. Parce que Jésus dit, vous avez appris, mais moi je vous dis. Vous avez appris, mais moi je vous dis. C'est ça la grâce. La grâce, c'est les moyens que Dieu nous donne pour mener une vie de sainteté. C'est pas sauver une fois, sauver pour toujours, pécher et on va rien dire. C'est pas ça la grâce. Non, la Bible c'est pas ça. Et on a mal compris la grâce et c'est pour cela que ces églises sont mortes. C'est pour cela que ces gens ne produisent pas de fruits. Depuis qu'ils prêchent depuis des années, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de délivrance, pas de guérison, rien, pas de restauration de vie. Parce que on a mal compris la grâce. Voilà, une grâce enseignée par Calvin qui disait que Dieu a prédestiné certaines personnes à la damnation et d'autres à la vie éternelle. Et faites ce que vous voulez, vous serez quand même sauvés. Ça, c'est pas la grâce. Donc, il y aura des enseignements là-dessus pour corriger ces enseignements erronés. Voilà. Donc, et nous sommes toujours dans Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens 5, Paul dit quoi? Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas vous mêler avec les fornicateurs, mais non d'une manière absolue avec les fornicateurs de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Or maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas vous mêler avec eux. C'est-à-dire que si quelqu'un se nomme frère, et fornicateur, ou cupide, ou idolâtre, ou médisant, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Et en effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Quant à ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez donc le méchant du milieu de vous. Paul est catégorique là-dessus. Il ne faut même pas manger avec un tel homme, il nous dit. Et dans Romains chapitre 15, qu'est-ce que Paul, notre frère, nous dit? Et voilà, merci Seigneur. Voilà. Et Seigneur, merci pour cet évangile. Nous sommes dans Romains chapitre 15, oui. Donc vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez.
Voilà. Ah ouais, on va prendre. C'est pas Romain. On va prendre Tite 3:10. Tite 3:10. Rejette l'homme hérétique après le premier et le second avertissement, sachant qu'un tel homme est perverti et qu'il pèche en se condamnant lui-même. Donc l'homme hérétique, bien sûr, celui qui enseigne des fausses doctrines, il faut s'en séparer. Voilà. Donc c'est pas moi qui le dis, sont les Écritures qui le disent au nom de Yeshua. Que le Seigneur soit béni. Et nous sommes dans, on va prendre notre passage dans Jean, 3 Jean 10. Jean 10, c'est pourquoi si je viens, 3 Jean 10, ouais, c'est 2 Jean dans ce cas-là. De Jean. Voilà, on va descendre comme ça, voilà, c'est plus simple. Voilà, on a dépassé. Voilà, de Jean 1:10. Si quelqu'un vient à vous et qu'il n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le saluez pas, car celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. Jean, l'apôtre de l'amour, hein, voilà qu'est-ce qu'il dit. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, quelle doctrine? Eh bien, la doctrine que Jean a développée dans 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, où il a dit clairement, au verset 9, hein, regardez verset 9, quiconque transgresse la doctrine de Jésus-Christ et ne lui demeure pas fidèle n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Et cette doctrine-là, selon le contexte, bien sûr, c'est des gens qui niaient, hein, les gens niaient que Jésus-Christ était venu en chair. Et qu'il était ressuscité corporellement, eh bien, Jean dit, ceux qui ne viennent pas avec cette doctrine, il ne faut même pas le recevoir. Voilà. Donc, on sait que il n'y a pas que cette doctrine-là, parce que Jean a parlé d'autres doctrines. Jean a confirmé que Jésus-Christ est Dieu. Jean n'a pas parlé de la Trinité. Jean a dit clairement que celui qui est de Dieu ne pratique pas le péché. Or, le mensonge est un péché. Mentir sous la pression, c'est le péché. Celui qui enseigne cette doctrine-là, on ne peut plus marcher avec. C'est clair. Donc, et la parole est claire là-dessus. Il ne faut même pas lui dire salut, nous dit la Bible. Et ce n'est pas moi qui le dis. Donc, si Jean, l'apôtre de l'amour, a écrit ces choses-là, c'est qu'il mettait l'accent, pas seulement lui, mais Pierre, Paul, Jacques et Jean, tous, sur, mes amis, l'importance de connaître la vérité, l'importance de prendre position pour la vérité. Voyez? Et il faut prendre position pour la vérité jusqu'au bout. Pas seulement pendant quelques temps, parce qu'on veut se faire connaître, et ensuite, hop, une fois qu'on est connu, on va commencer à abandonner la vérité. Non, 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 mes amis. Même si le monde entier me connaissait, je garderai la vérité que j'ai toujours prêchée. Et je tiens à dire aux gens qui nous ont découverts il y a 5 ans, 6 ans, je tiens à leur dire, vous nous connaissez il y a 6, 7, 8 ans, mais demandez aux gens qui nous connaissent depuis 17 ans, 20 ans, on a toujours dénoncé le mal. On a toujours, avec des preuves, dénoncé le mal. C'est pas nouveau. Vous ne pouvez pas, alors que vous nous avez trouvé un chemin, hein, maintenant, changer, nous faire changer le message. Non, pas du tout. C'est pas quelque chose de nouveau. Les gens qui nous connaissent depuis des années, regardez les vidéos qui datent il y a 10 ans, 12 ans, 13 ans, avant que vous ne veniez. On a toujours dénoncé avec des preuves le mal. Donc, Chora ne se taira jamais. Je dis bien jamais. Pour moi, je me définis comme un fou de Jésus, un fou qui aime le Seigneur, qui aime les enfants de Dieu et qui veut voir les frères et sœurs libérés. Alors, il y en a bien sûr qui vont dire, non, mais c'est un sataniste envoyé par le diable pour détruire les églises. Mais attendez, arrêtez vos mensonges là. Arrêtez vos mensonges. Les gens ont vu clair. Voilà. Venez, confrontez-moi, vous qui êtes là. Venez, confrontez-moi ici. On est accessible. Et ceux qui ont fait des choses, qui disent des choses ici et là, qui veulent venir pour parler, je dis non, c'est trop tard. Mais vous qui avez des doutes, posez des questions. La vérité doit être défendue jusqu'au bout. Paul, on lui a mis la pression pour qu'il se taise, mais il n'a pas voulu se taire. Les apôtres, on leur a mis la pression pour qu'ils se taisent. Ils enseignaient, les pharisiens étaient furieux. Pourquoi? Parce qu'ils dénonçaient le mal. Étienne disait, vous, les hommes au cou raide. C'est pas moi qui le dis. Le Seigneur a pris un fouet, a chassé les gens du temple. Jésus-Christ que nous suivons. Et vous voulez quoi? Vous voulez avoir un évangile qui vous arrange, qui arrange tout le monde? Eh ben, en tout cas, avec moi, c'est clair. Le Seigneur a dit, sois seul. Et c'est pour cela, ce soir, je confirme que je crie seul.
Et je ne laisserai jamais les enfants de Dieu être manipulés, dépouillés par ces charlatans, par ces faux docteurs qui veulent les enfermer dans leur maison, qui ont détruit des vies chez eux à la maison hier, hein, qui ont dirigé les églises qu'on leur a confiées, qu'ils ont tout cassé. Et aujourd'hui, mais de nouveau, ça y est, on ouvre la maison, venez, on va faire l'œuvre. Oh non, mes amis, on va pas se taire. Jamais. Allô, bonsoir. Bonsoir, Fréchoura. Bonsoir. Mais en fait, je bénis vraiment le Seigneur pour l'émission d'aujourd'hui parce que au travers de votre émission, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont rassurés. Parce qu'en fait, quand l'émission a commencé, ma prière c'était que Seigneur, on a besoin d'autre chose. Donc ma prière que le Seigneur continue de vous fortifier et ne lâchez pas. On parle de la sagesse c'est Jésus. Amen. Je me suis rendu compte qu'autour de vous, Fréchoura, je vais tout dire. Il y a beaucoup de personnes. Une fois, le Seigneur m'a donné un songe où j'allais dans une école et puis je suis arrivée. Vous étiez comme dans une chambre et tout. Et vous m'avez dit, viens, allume la lumière, mets la lumière et quand tu mettras la lumière, tu verras ce qui se passe. Et vous étiez assis sur un lit et tout ce qui était à côté de vous, ils dormaient, ils étaient par terre. Et quand j'ai allumé, vous m'avez dit, mets la lumière, tu verras qu'ils sont en train de dormir. Et vous seul, vous étiez assis et vous ne dormiez pas sur le lit. Et j'ai appelé une soeur en Belgique, elle m'a dit, heureusement que l'apôtre Chouran n'est pas dedans. Donc, ce qui fait que je suis contente, Fréchoura, parce que ça se passe en ce moment, les vrais enfants de Dieu sont secoués. On se dit, mais où est-ce qu'on va donner de la tête? Vous avez prêché un message qui nous aide. Des femmes qui sont à la maison, et après, c'est des personnes qui sont autour de vous, qui nous disent que, bon, l'église, donc, les maisons de prière, c'est biblique. Moi, à un moment, parce que je courais après les prophéties, il y a certaines personnes qui sont autour de vous, par exemple, qui sont venues chez moi, que j'ai invitées, mais à chaque fois qu'ils sont partis, c'était des dégâts. Le Seigneur me révèle les choses tellement vraies. Et quand j'appelais même des personnes autour de vous, ils me disaient non, on va en parler à l'apôtre Chora. Mais ça ne suffisait jamais. Mais aujourd'hui, je suis contente parce que j'étais découragée. Je me rends compte que, frère Chora, continuez, ne lâchez pas parce que ce que vous dites, c'est la vérité. C'est une souffrance de voir des personnes qui vous acclamaient et qui aujourd'hui repartent comme dans le vomi. Et le problème, c'est qu'on dit non, la sagesse, il faut savoir parler. Mais la sagesse, qu'est-ce que la sagesse? Des vies sont détruites. Moi, j'ai failli. Si je n'étais pas sincère, j'aurais pu y passer. Mais combien d'âmes sont détruites? Vous prêchez un message qui sauve. Moi, je vois ce que le Seigneur fait dans ma vie. Mais quand j'ai essayé d'ouvrir ma maison pour des maisons de... Même, en fait, on m'a dit, oui, on peut prier chez toi. À gauche et à droite, on peut aller à gauche, on peut aller à droite pour des maisons pour prier. On se dandine, on va partout. Mais on se rend compte qu'on est encore plus malade. Et ils se servent de la vague de ce qui se passe, dans votre ministère pour dire, oui, on est avec l'apôtre Chora. Mais on se rend compte qu'ils reproduisent les mêmes choses que vous dénoncez. Donc moi, je suis dans la joie. Frère Chora, ne lâchez pas. Il y a une armée derrière. Le Seigneur vous soutient. Il y a une armée, il y a des gens dans le monde entier qui vous soutiennent. Donc je suis contente pour aujourd'hui. Je me dis, mais comment il va faire avec sa famille? Comment? À chaque fois, on le blesse. À chaque fois, on le blesse. Frère Chora, ne lâchez rien. Moi, je suis... Ne lâchez rien. Merci, ma soeur. Merci. Merci pour ce message. Je bénis encore le Seigneur. Là, je suis folle de joie. Et je me dis, je continue. On ne lâche pas. Amen. Amen. Ils vont se sauver comme des voleurs, hein, et elles envoient des mails. Ah, oh, ben tiens, Dieu a dit qu'il ne faut plus dénoncer comme ça, il faut la sagesse. Je dis, quel Dieu? Dieu vous dit de ne pas dénoncer un monsieur, des gens qui couchent avec des femmes d'autrui, des gens qu'ils ont trouvés ici, que Dieu a délivré, des femmes faibles et qui vont coucher avec. Si on couche avec vos enfants et vous allez vous taire? Non, mais attendez, on a vu ça où? Et quand on dénonce ces gens avec des preuves, on dit non, c'est la calomnie. Je ne me tairai jamais, ma sœur, sois rassurée. Et c'est grâce aux frères et sœurs comme vous qui prenez position pour la vérité que mon épouse et moi, ainsi que mes enfants, nous nous tenons debout pour dire les choses. On se dit, mais jusqu'à quand? On m'a dit, mais jusqu'à quand? Ils se servent de ce réveil, partout ils se servent de ce réveil. Ils disent, oui, je suis avec la Potura, oui, j'ai vu la Potura, oui, je veux faire ceci. On se rend compte que c'est chacun qui commence son ministère, sa petite boutique, le même fonctionnement. C'est le même fonctionnement, dès qu'ils passent chez vous, dès qu'on les voit à la télé, c'est bon. Et nous, comme parfois, c'est le problème, c'est aussi nous les chrétiens. C'est aussi nous, à cause. Moi, je suis tombée dans ce piège parce que je me disais que, oh, comme c'est un homme de Dieu, il a une prophétie par rapport à ma vie, par rapport à mon mariage et tout. La conséquence, c'est quoi? C'est que vous avez dit, ne soyez pas idolâtre, allez quand vous-même conseillez Dieu. Mais c'est parfois nous parce qu'on veut des prophéties. Parce qu'on veut des prophéties. J'ai failli passer. Mais j'ai dit, je ne lâche pas l'affaire. Faut que je dénonce, ne lâchez pas. Dénoncez jusqu'au bout. Et vous savez, on va de plus en plus vous haïr, mais c'est pas grave. Vous dites-moi que c'est parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. C'est pas un problème.
Il y a des hommes et des femmes qui ne baissent pas les genoux, qui ne vont pas flécher les genoux. Moi, ne lâchez pas. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font aux âmes fragiles, aux nouveaux convertis. Comment pouvoir quelqu'un qui vous soutenait, mais qui demain, qui après parle, qui parle pas en parabole, comme si vous deveniez méchant après. Les gens que vous avez soutenus, encouragés, les gens que vous avez élevés, que le Seigneur a peut-être, entre guillemets, je ne connais pas le langage, élevé au travers de vous, qui sont passés, ils se servent de vos médias pour faire leur boutique. Après, ils crachent encore dans la soupe. Ils ne pensent même pas aux âmes blessées. Ils ne pensent même pas aux jeunes convertis. C'est pas ça. Et parce qu'ils ont vu que j'ai pas voulu changer le message, ils sont venus soi-disant parce qu'ils sont touchés par la dénonciation, par le fait qu'on dénonce Babylone, par les enseignements. Et le même quand ils ont commencé à être connus, et des frères et sœurs commençaient à les entourer pour leur dire, maintenant il faudrait que vous changiez un peu Chora, parce qu'ils dérangent trop. Eh ben tiens, ben Dieu nous a dit, il faut pas dénoncer. Et quand on dit, ben voilà, Dieu vous a dit de ne pas dénoncer, voilà le péché des personnes. Ah ben tiens, on savait pas. Ah, c'est notre chair. Et maintenant, quand on dit, asseyez-vous maintenant, parce que là, vous êtes dans la confusion, vous n'allez plus enseigner, prêcher. Ah, ben, tiens, on se sauve comme un voleur. Eh ben, tiens, c'est ma sœur, ce que l'on vit, hein, parce qu'on ne dit pas tout, hein, mais c'est pour cela que le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, depuis quelques temps déjà, sois seul. Et depuis, vous avez vu sur le site de TV de Vie, on a mis une image avec l'image d'un loup, pour dire qu'on ne recommande aucun docteur, on ne recommande aucun prédicateur, aucun pasteur. Nous voulons recommander aux gens Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons également, si les gens viennent vous voir pour vous dire qu'ils travaillent avec moi, ouvrez vos maisons, ne le faites pas. Amen. Ne le faites pas. S'ils viennent vous demander de l'argent, ne le faites pas. Et appelez sur TV de Vie, vérifiez, ou envoyez-nous des mails pour vérifier. Ils se servent de ce message pour se faire connaître. Ensuite, ils vont dire, on ouvre nos maisons, venez chez nous, venez maintenant, on va vous former. Et tout ça là, ils vont fermer quoi? Quels enseignements qu'ils ont donnés? Ben, il y a des enseignements qui ont été apportés ici, qu'on a dû rectifier, enlever des choses. Il y a beaucoup de choses que beaucoup de gens ignorent. Mais nous n'allons plus nous taire, nous n'allons pas nous taire. Et d'ailleurs, ceux qui nous connaissent, me connaissent un peu, savent que... Et le Seigneur m'a dit clairement que si tu ne parles pas, je t'enlève. Donc mes enfants sont encore petits. Je continuerai à parler, ma sœur. En tout cas, merci pour... Amen, frère Chora. Amen. Soyez bénis. Je crois qu'il y a beaucoup de sœurs, de frères qui m'ont appelé. Merci de m'avoir écouté. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse votre famille, vos enfants et toute l'équipe qui travaille avec vous. Mais je sais que le Seigneur va encore faire le tri. On ne va pas se cacher. Et le Seigneur montre, il parle à ses enfants. Il nous montre, on sait qui est qui. Soyez bénis, frère Chora. Je laisse d'autres personnes. Soyez fortifiés. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Merci, ma sœur. Donc dans Romains chapitre 16, verset 17, Romains chapitre 16, verset 17, on va lire un passage qui est très important. Et moi j'encourage tous les frères et sœurs du monde entier qui aiment Jésus à prendre position pour la vérité. Vous savez, défendre la vérité, c'est prendre le risque par rapport à sa propre vie, mais il ne faut pas se taire. Je vous exhorte, mes frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise de nous, hein, que vous avez apprise, et de vous éloigner d'eux. Car ces sortes de gens ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais leur propre ventre. Et par des douces paroles et flatteries, ils séduisent les cœurs des simples. Voilà. Donc, ça c'est terrible. Paul a dit, il faut prendre garde à ces gens-là. Et dans 2 Pierre chapitre 2, Pierre dit, il y a eu... Mais comme il y a eu des faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous des faux docteurs qui introduiront secrètement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qu'ils ont racheté, attireront sur eux une ruine soudaine. Et plusieurs les suivront leur secte de destruction, et à cause d'eux, la voie de la vérité sera blasphémée. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles déguisées. Des paroles déguisées, c'est-à-dire des paroles couvertes, des paroles trompeuses. Mais la condamnation qui leur est destinée depuis longtemps ne tarde pas et leur destruction ne sommeille pas. Voilà. Et ils préfèrent être la grande masse, la grande foule des prédicateurs de ce monde pour se faire un nom, pour se faire aussi de l'argent en même temps, tout ça. Et puis il y a beaucoup de raisons qui les motivent, beaucoup de mobiles, ils ont des mobiles parfois impurs. Voilà. Donc comment vous pouvez trouver quelqu'un qui dénonce le mal depuis des années? Vous venez, vous dites vous-même que vous êtes touché par ce message, et demain vous dites non, il faut changer. Dieu a dit qu'il faut changer. Moi je suis désolé. Dieu vous parle, oui, mais moi je regarde d'abord ma Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Paul dit, et si un ange venait vous annoncer un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Voilà. Et il dit, même si nous-mêmes nous vous annonçons autre chose que vous avez reçu, qu'il soit anathème, maudit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer avec la saine doctrine.
Quand la sainte doctrine est menacée, eh bien, Paul dit que la personne qui prêche des fausses doctrines soit anathème. C'est une malédiction. Donc, ce n'est pas moi qui maudis, mais c'est la parole qui dit que la personne, quand c'est comme ça, ben, la personne est maudite. Voilà. Donc, je ne changerai pas de message. Ça, je tenais à le dire une fois de retour de la Polynésie. Et je ne cherche pas des amis ici. Et je dis bien qu'autour de moi, je ne veux pas mes amis, des collaborateurs qui... C'est-à-dire, je suis seul. Autour de moi, ceux qui sont enfants de Dieu, qui cherchent le Seigneur, gloire à Dieu. Mais je dis bien, je ne recommande aucun pasteur. Je ne dis pas que tous ceux qui peuvent travailler ici là sont mauvais. Non, il y a des gens qui aiment le Seigneur, ça je tiens à souligner pour être équilibré. Mais je dis simplement que je suis un homme seul, je crie. Je le dis, je ne cesse de le dire. Une prophétie était sortie, plusieurs prophéties, notamment une en 2012. Vous l'avez suivie, que Dieu allait nettoyer autour de moi. Vous avez suivi cette prophétie-là. Eh bien, si vous aimez la vérité, ben, allez consulter le Seigneur vous parlera. Je crie, Dieu m'a dit, crie, sonne le chauffard, dis à mon peuple que je reviens. Voilà mon message. Voilà. Donc, j'ai reçu cet appel seul. J'ai commencé seul à la maison. Des frères et sœurs sont venus et je ne veux pas changer parce que j'ai fait des rencontres tout au long de ma marche avec certaines personnes qui estiment qu'il faut maintenant s'aligner derrière Babylone, s'aligner derrière tout le monde pour ne pas avoir des problèmes et qui veulent que je prêche comme Paul Washer. Mais Paul Washer n'implante pas les assemblées. Dieu m'a fait implanter plusieurs assemblées dans le monde entier. Et ces assemblées qui sont dirigées aujourd'hui, certaines étaient dirigées par des gens qui couchaient avec des femmes. On fait quoi? On se tait? Non. Non. Je ne veux pas me taire. Donc, Paul Washer, c'est Paul Washer, je ne le connais pas, et il fait ce qu'il a à faire, et moi je fais ce que j'ai à faire, d'autres font ce qu'ils ont à faire, à la fin, chacun rendant de compte. Mais ne cherchez pas à ce qu'on soit tous comme ce monsieur, et qui n'implante pas les églises, qui ne chasse pas les démons, et qui crie. Certainement, il doit prêcher, il prêche la vérité que Dieu lui a confiée, et on l'encourage dans ce qu'il fait, et chacun fait ce qu'il a à faire, voilà. Donc, tout le monde ne peut pas être comme Paul, comme Pierre, comme Jacques, non, chacun a reçu un appel. Vous ne pouvez pas demander à ce que Jérémie soit comme Matthieu. Non, chacun a reçu un appel. Jérémie avait reçu l'appel pour crier. Et Dieu disait à Ézéchiel, je durcis ton front pour l'affronter à ce peuple. Hein, ne tremble pas, il disait à Jérémie devant eux. Il faut parler. Eh bien, je parlerai. Même ceux qui sont dans ces assemblées et qui disent c'est la sorcellerie, il faut faire attention. Ben, écoutez, faites vos affaires. Vous n'êtes pas attaché. Personne n'est attaché. Je dis bien, je suis seul. Personne n'est attaché, personne n'est lié. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes dans un endroit où on dit vous êtes libre. Allez faire ce que vous voulez, allez écouter qui vous voulez. Mais laissez-moi aussi faire ce que Dieu me demande de faire. Et je continuerai. Même si vous n'êtes pas d'accord, je continuerai. Ce n'est pas vous qui m'avez créé. Ce n'est pas vous qui me nourrissez. Ce n'est pas vous qui me donnez un salaire. Voilà. Les Bibles sont données gratuitement. Tout est donné gratuitement. Et vous voulez savoir comment je vis? Eh bien, je vis par la foi. C'est biblique. Voilà. Que Dieu soit béni. Et si les frères et sœurs sont touchés dans le monde entier pour soutenir le travail comme ils le font, que Dieu les bénisse, eh bien, ils soutiennent dans la prière, ils soutiennent matériellement, financièrement, et on bénit le Seigneur. Voilà, tout est fait dans les règles, et que le Seigneur soit béni. Donc, l'œuvre continuera à se faire, et je dis bien, mes frères et sœurs, vous qui aimez la vérité, ne vous inquiétez pas, je tiendrai ferme grâce à vos prières, grâce à mon Dieu que j'aime beaucoup, et tous les enfants de Dieu seront libérés. Dieu m'a amené au ciel il y a quelques années. Il m'a amené devant le trône. Il m'a dit, beaucoup de pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils me le présentent, ils le repartent avec. Donc, il m'a dit, ton combat, ce sera avec les faux docteurs, les faux enseignants qui voudront te changer ton message. Et il m'a dit, si tu le fais, je t'enlève. Croyez-moi, mes amis, je ne suis pas parfait. Et quand je dénonce, c'est pas parce que je me plais à le faire, parce que si je le fais pas, c'est plus fort que moi. Je dois parler. Quand on voit des gens qui viennent, qui convoient des femmes, qui font n'importe quoi, et ils veulent pas qu'on dénonce, mes amis, je dis, on va le faire. Au nom de Yeshua, jusqu'au bout. Ça, c'est pour cela que vous verrez moins les gens à la TV de vie, comme avant, hein, des émissions à part Le Pain Quotidien, parce que c'est des frères qui font un travail sérieux depuis des années, hein, comme Lufien que je salue, qui est un homme très sérieux. Il est avec moi depuis plus de 14 ans et ils nourrissent des milliers de personnes et tout ça là. Donc, il n'y a pas de problème. Mais c'est fini, la comédie est finie. Donc, mes émissions, je vais le faire seul. Et si vous n'êtes pas d'accord, ben vous pouvez créer vos chaînes de télé, comme vous voulez le ministère, vous pouvez créer vos ministères. Mais je ferai l'œuvre que le Seigneur m'a confiée. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Frère Choua. Oui. Oui, en fait, je vous appelle depuis le Mans. Donc, je suis en direct, là. Oui, tout à fait. D'accord. En fait, moi, franchement, je vous soutiens fort. Je dis toujours, Dieu soit loué, parce qu'on était des aveugles, vraiment. On suivait les pasteurs comme nous voulons. Mais grâce soit rendue à notre Dieu.
Vraiment, quand ils prêchent la parole de Dieu, on les suit, on regarde la Bible, on voit tout ce qui est écrit. Amen. Lettre par lettre. Donc, je ne sais pas aujourd'hui les chrétiens, ils sont toujours aveugles, ils ne comprennent rien. Donc, quand ils disent, les frères Chora, ils ne prêchent pas la parole de Dieu, il est satanique, il est machin. Moi, je crois, vous prêchez vraiment la parole de Dieu. Parce que quand je vois, je regarde dans la Bible, dans ma Bible à moi, dans la Bible, donc je vois tout ce que vous dites, c'est vrai. Donc aujourd'hui, nous avons abandonné tous ces faux pasteurs-là qui nous disaient des mensonges. Gloire à Dieu, mon frère. En tout cas, merci. Okay. Bon. Moi, je vous soutiens. Je vous soutiens. Merci pour vos prières. Merci, et mon frère. Toujours. Que Dieu soit béni. Continuez, mon frère, continuez. Ne lâche pas, ne lâche pas. Merci. Surtout à Paris, ils sont beaucoup. Quand ils arrivent à Paris, ils mangent l'argent des gens, ils bouffent les choses, ils partent encore à Lyon, ils vont à gauche, à droite. Ils font des églises, ils disent des faux prophéties. Donc, divisés pour régner, en fait. Divisés pour régner. Donc, c'est ça leur problème. Ok, mon frère. Dieu te fera encore grâce. Il te donnera la force d'aller encore plus loin, dénoncer. Merci, merci, mon frère. Okay. Voilà, il y a un passage dans Proverbe, chapitre 8, verset 1er, qui dit « La sagesse ne crie-t-elle pas? Et l'intelligence ne fait-elle pas entendre sa voix? Elle s'est présentée sur le sommet des hauts lieux, des lieux élevés, sur les chemins, au carrefour. Elle crie près des portes, à l'entrée de la ville, là où l'on entre par les portes. Oh, vous, hommes de qualité, je vous appelle, et ma voix s'adresse aussi aux fils des hommes. Vous, stupides, apprenez le discernement, et vous tous, devenez intelligents de cœur. » Et voilà, donc la sagesse crie. Voilà, on dit, non, pourquoi il crie? Pourquoi? Parce que faut crier, Dieu m'a dit, faut crier. Hein? Jean disait, je ne suis qu'une voix qui crie. Donc, vous ne pouvez pas demander à Jean autre chose. Je ne dis pas que je suis Jean, mais je dois répondre à l'appel et à faire la volonté de celui qui m'a appelé. Donc je dis bien, quand vos enfants sont touchés, quand nos enfants sont touchés, en tant que parents, on réagit. On dit bien, mes enfants, personne ne va les toucher. Les enfants de Dieu sont touchés dans le monde entier par des gens qui se servent de ce message du retour à la parole ou de la parole simplement pour se faire de l'argent, pour diviser, pour détruire. Et on doit faire quoi? On les avertit, s'ils continuent, on expose leurs œuvres. Voilà. Comme la parole le dit, et la vérité, c'est celle qui affranchit, c'est celle qui délivre. Donc maintenant, ne cherchez pas à ce que je sois comme tout le monde, parce que je ne suis pas tout le monde, tout le monde n'est pas moi, chacun a reçu un appel bien spécifique. Voilà, donc l'affaire s'arrête là, et je n'ai pas reçu une vision, ce n'est pas une église, hein. TV de vie n'est pas une église, et, voilà, c'est juste un moyen que Dieu a mis en place pour diffuser la parole, mais ce n'est pas une église où l'on va mettre des anciens, des diacres, ce n'est pas une église, voilà. Donc il y a une vision qui est là, c'est une vision, c'est une mission. C'est une charge, c'est une responsabilité que le Seigneur a confiée, n'est-ce pas, à confier. Et maintenant, on avance avec cette vision-là. Même si on rencontre des présidents, on en rencontre pour leur prêcher la parole, je ne changerai pas. On en a rencontré des présidents, on en a rencontré un, tout ça il n'y a pas longtemps, je priais pour lui, mais je ne veux pas changer de message. On rencontre des autorités pour leur dire la vérité comme la parole le dit, on ne va pas changer de message. Alors quand on raconte certaines autorités, il y en a qui vont dire non mais pourquoi il rencontre les autorités, pourquoi il dénonçait le monsieur en Afrique là-bas et que lui il est avec les autorités, je ne suis pas avec les autorités. Le monsieur en Afrique là-bas, le prophète là, il mange avec ces gens qui sont dans l'impudicité et ces gens lui donnent des avions, leur avion pour aller et pour les ramener dans son pays. Mais là, voilà, nous on n'a pas pris l'avion de quelqu'un. J'étais dans un pays africain, la femme d'un président disait à quelqu'un, son mari voulait mettre son jet privé à ma disposition pour aller annoncer l'évangile dans tout le pays. Je dis non, je ne veux pas faire ça. Donc vous voyez, donc on n'est pas là pour aller s'exposer avec ces autorités sur Internet. Ce n'est pas notre message, donc il ne faut pas tout confondre. La vérité sera proclamée, même si vous n'êtes pas d'accord. Mais vous êtes libre de regarder d'autres chaînes. Mais ici, c'est la chaîne qui va dire tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Je dis bien, je m'organise, je suis en train de me préparer, je viens à peine de rentrer de la mission, une longue mission, préparer, écouter les témoins, écouter toutes les souffrances des frères et sœurs. Et puis après, dès que Dieu me donne l'aval, on expose ouvertement certaines personnes.
Voilà, que le Seigneur soit béni, mes amis, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Donc, la vérité, Yeshua revient. La vérité, Jésus-Christ est Dieu. La vérité, il n'y a pas d'autre chemin que Jésus-Christ. La vérité, Jésus-Christ est le véritable pasteur, le seul, mes amis, apôtre que nous reconnaissons. La vérité, c'est que dans 1 Corinthiens 12, Paul dit, il y en a, ils ont reçu l'appel pour être, il y en a qui ont le don de prophétie, d'autres discernement des esprits, un seul esprit qui opère toutes ces choses-là, mais un seul esprit, il y a plusieurs opérations, voilà. Donc, on ne peut pas être tous là pour prêcher la même chose. Et je bénis le Seigneur pour ces nations qui sont touchées. Donc, ce message, vous voyez bien que ce n'est pas limité aux Africains. C'est un message qui n'est pas non plus limité aux Européens. C'est les nations qui sont touchées. On est rentré de la Polynésie. Gloire au Seigneur, celui qui fait tout. Les nations sont touchées par le Seigneur. Et nous lui disons merci. Je voulais ce soir encourager tous les défenseurs de la vérité à prendre position pour la vérité jusqu'au bout. Ceux qui nous ont précédés ont été combattus, traités de sorciers, de magiciens, de gourous, de sectes. Comme vous le savez, il ne faut pas baisser les bras. La même Bible, mes amis, que nous prêchons, et c'est la vérité qui a franchi. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne, Eric. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui. Oui, j'appelais vraiment, je tenais vraiment à encourager toute l'équipe de TV de vie, vraiment que le Seigneur vous emmène de gloire en gloire. Et je sais que la gloire du Seigneur a un prix, parce que plus le temps passe, plus autour de moi, je me rends compte que ceux qui soutenaient ce message, ceux qui étaient pour ce message, plus le temps passe, plus ils retournent leur veste. C'est l'impie, c'est pas ça, c'est devenu carrément le contraire. Et ça doit tous nous interpeller, parce que ça c'est l'apostasie en fait. Même ceux qui ont prêché des messages de vérité aujourd'hui, ça fait peur de voir comment ils sont tombés. Et on se dit, mais en fait, personne n'est à l'abri. Mm-hmm. Donc vraiment, je veux aussi encourager tous les frères et sœurs à travers le monde entier qui ont reçu ce message à eux. La parole le dit, ceux qui ont accepté le Seigneur, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il nous a donné l'autorité. Donc on doit arrêter de dépendre des gens, de courir après les gens, mm-hmm. d'aller à TV de vie, comme si, je ne sais pas, à TV de vie, c'était la montagne de feu, c'était là-bas qu'il y avait une grâce spéciale. Le Seigneur nous appelle tous, on a tous une grâce spécifique, mm-hmm. que chacun reste à sa place et on doit aller au pied du Seigneur parce que c'est lui qui connaît tout, c'est lui qui sait tout, c'est lui qui dit tout. C'est pas un homme qui dit, c'est lui qui dit toutes choses. Et à vouloir toujours rechercher ce que le Seigneur dit à travers un homme, mais c'est ça aussi l'idolâtrie. Parce que c'est ceux-là aussi qui courent derrière les hommes, eux aussi, ils doivent lire la parole. Ceux à qui on raconte n'importe quoi, c'est ceux qui ne lisent pas la parole. Effectivement. La parole est claire. On n'a pas besoin d'avoir Bac+5, Bac+10 pour comprendre les Écritures. Il faut juste prier. Et le Seigneur, enfin, pour ma petite expérience, rien que le fait de prier avant de lire, le Seigneur, il parle. Sa parole est claire, elle est limpide. C'est-à-dire, sa parole est... C'est un Dieu, il a tellement de facettes, il a tellement à dire, tellement à nous apprendre. Mais comment est-ce qu'il va nous dire si on n'est pas à ses pieds, si on est toujours derrière les hommes? Mais c'est normal qu'on soit berné. Donc, tous ces hommes doivent lire la parole, ils doivent méditer la parole. C'est pas pour rien que la parole dit méditer la jour et nuit, prier sans cesse. Mm-hmm. C'est pas les hommes. Donc, à un moment, il faut qu'on arrête un peu. Bon, après, ceux qui veulent se retourner, ils se retournent. Mais je tiens vraiment à fortifier ceux-là qui sont encore dans la maison de Christ. Ils s'accrochent vraiment, accrochez-vous vraiment, que le Seigneur bénisse vos familles, qu'ils vous soutiennent vraiment, qu'ils vous soutiennent, quoi. Donc, c'est vraiment pour vous encourager. Merci. C'est bien dit. Hein. Tout est dit, ma sœur, que Dieu soit béni. Et effectivement, ceux qui sont déçus, parce qu'ils veulent, les hommes. Et ils veulent les hommes. Depuis des années, on ne cesse de dire, allez vers le Seigneur. C'est ça le message, allez vers le Seigneur. Et si vous avez des questions à poser, allez vers le Seigneur, méditez la parole, effectivement, comme tu l'as si bien dit. Mais ils ont toujours besoin d'un docteur qui les enseigne à vie. Et c'est là que ça coince. Donc, c'est pour cela qu'ils peuvent facilement suivre les hérétiques. Et puis après, ils sont déçus. On sait comment ça finit à chaque fois. Hein. Non, ils veulent être assistés. Hein. Ils veulent tester ça. Et quand ils veulent la béquille sur laquelle ils s'appuient se casse, ben, eux, ils sont au sol. Voilà. Ils veulent s'appuyer sur le roc. Voilà, c'est ça. On dit que celui qui bâtit sur le roc, mais il ne bâtit pas en vain. Il supporte toutes les intempéries. Donc, si on est bâti sur le roc, on ne devrait pas tomber parce que le frère est tombé, parce que la soeur est tombée. Non, on est bâti sur qui? On Amen. Regarde qui? On a les yeux fixés sur qui? Amen. Ok, c'est facile à parler là, mais que le Seigneur nous encourage, que le Seigneur nous fortifie. Je sais que si on l'appelle, il répond. Quand on l'appelle, il répond. Même quand on tombe, il nous relève. Donc, c'est pas un lâcheur. Dieu là n'est pas un lâcheur. Le petit peu que je connais de lui, il ne lâche pas. Donc, lisons nos paroles, méditons-la, ne cherchons pas à comment on voit que le frère Chora a fait ça, il est tendu, la main, il a guéri. Tout le monde veut se lever et faire ça. Mais les épreuves qu'il y a derrière, là, ils savent pas.
La gloire de Dieu a un prix. Ils veulent l'onction, mais quand il y a les épreuves, ils disent, ah non, la parole est dure. Vivre avec l'onction. Mais c'est ça. La parole dit, c'est pas l'épreuve qu'on éprouve l'or. C'est pas le feu qu'on éprouve l'or. Mais pareil, c'est pas les épreuves que le Seigneur va éprouver aussi notre foi. Ils veulent pas éprouver ça, mais ils veulent l'onction qui va avec, guéri, on va ici, on prêche, on filme, qu'on arrête un peu. Un moment qu'on arrête. Même ces chrétiens-là, lisons notre parole. Lisons-la. Amen. Ne prenons pas le tout près, quoi. C'est pas du fast-food. Lisons-la. Gloire à Dieu, ma sœur. Merci en tout cas pour ton intervention. Amen. Voilà, dans Actes 5, 28, il est dit, ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et cependant, voici, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Alors Pierre et les autres apôtres répondant, dirent, il faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Voilà, donc, c'est ce qu'il faut faire. On obéit à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et les hommes ne seront pas toujours là pour nous acclamer. D'ailleurs, ce n'est pas notre vision. Ils ne seront pas là pour vous acclamer, mais cherchez beaucoup plus à plaire au Seigneur qu'aux hommes. Paul disait, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Et voilà, Pierre disait également, ça c'est Paul qui le disait, Pierre disait, si l'on vous dit des outrages, ben bénissez le Seigneur. Donc c'est une grâce, mes amis. Et comme Christ a souffert, vous aussi armez-vous de la même pensée, Pierre disait dans 1 Pierre 4. Donc il faut tenir ferme, défendre la vérité dans vos pays, dans vos villes, jusqu'au bout. Et le Seigneur vous soutiendra. Et le Seigneur vous gardera au nom de Yeshua. Donc je vous donne rendez-vous demain sur TV et Radio de Vie à partir de 20h30 un enseignement. Voilà, mes amis, que Dieu soit béni. Alors nous sommes en guerre, mais la guerre pas contre les hommes, contre l'ennemi de nos âmes, contre la chair et aussi, malheureusement, contre les fausses doctrines. Donc, et comme vous le savez, Paul a dénoncé ouvertement des gens, en citant même des noms. Il a dénoncé Alexandre le forgeron, qui s'est opposé à ses paroles, c'est écrit. Il a dénoncé Philète, et un autre prophète qui a renversé la foi des chrétiens parce que il disait que la résurrection avait déjà eu lieu. Il dénonçait Hyménée également, un autre faux prophète, un faux enseignant. Et dans 2 Corinthiens, Paul parle des faux apôtres. Donc ils ont eu affaire aux faux. Ils ont eu affaire à Diotrephe. Dans 3 Jean 10 là-bas. Et donc ils ont eu affaire à cela. Les pères de l'église également ont eu affaire à des fausses doctrines, à défendre la vérité face aux fausses doctrines. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et les apôtres qui suivaient le Seigneur, les disciples, pardon, beaucoup dans Jean 6 l'ont abandonné. Ils ont dit cette parole est dure, qui peut l'écouter? Donc lui, Yeshua, qui est le Fils de Dieu, a été abandonné. Et vous, et nous, et moi. Donc continuez à faire le travail que le Seigneur vous a confié, comme la sœur le disait tout à l'heure. Il ne faut pas s'arrêter sur l'homme, ni sur tes vœux de vie, ni sur qui que ce soit. Allez vérifier dans vos Bibles ce qu'on vous enseigne et appliquez ce que Dieu dit. Et ne dites pas, Chora a dit, dites la Bible, le Seigneur a dit dans sa parole. Ne dites pas, tel prophète a dit, tel apôtre a dit, les Écritures disent. Voilà, maintenant que le Seigneur garde chacun de nous, c'est à la fin qu'on saura qui a fait le travail et qui ne l'a pas fait. Que Dieu vous garde, à bientôt, au revoir.